Et what's up boys and girls, premier épisode de la série de Sergei Vetrov avec la Bradva, le serveur 5M New Cost. Évidemment, on part pour de nouvelles dingueries, une série qui risque d'être prometteuse, plusieurs titres. Et franchement les gars, je crois que c'est la première que je fais de toute ma vie, hein. Première série que je fais 5M, toute ma vie RP. Vas-y hein, on va tester du coup, c'est parti, let's go. Alors faut savoir qu'on a déjà une villa, on est déjà installé, etc. On a déjà fait quelques banques, rien de fou en termes d'organisation. Du coup on est mafia russe, la Bradva. Et aujourd'hui on est là pour faire des dingueries, et du coup avec les potos, ce soir. J'espère qu'il y aura du monde, j'espère que ce sera blindé. On va voir tout ça. Da, allô. De, privet, ça va? Privet, ça va et toi? De, ça va, tu fais quoi? Là, j'étais en train de spotter un petit peu, tu sais, au niveau de... Comment ça s'appelle? GoFast. Da, tu faisais GoFast? Ah, niet, je regardais si des gens faisaient. Mais t'étais quoi? J'étais un peu planqué. Ça va, t'allais le saouler? Da, un petit peu. Fatigué ou saoulé? Ah, les deux. Da, fatigué pourquoi? Trop de travail. Da, et saoulé pourquoi? Trop de travail. Da, d'accord. Ok, je comprends. Bah écoute, je suis là, je vais arriver moto. T'es toujours le planqué? Au pire, envoie-moi une pause, je vais arriver discrètement. Da, vas-y, je t'en Après, je vais. Bah, tu sais quoi, je vais y aller, je vais commencer. Da, attends. Bah, attends avant de le faire, je vais arriver sur place, ok? Je t'envoie pas. Da, envoie-moi possible. Putain, les gars, ça commence déjà comme ça, frère. Ouais, il est trop chaud. Ça va faire un peu d'action, écoute, hein. Putain, carburant, je suis à 35. Je vais tellement pas aller loin avec ça. Allez, ça part. Attends, du coup, il m'a envoyé une pause, frère. Mais attends, mais ça veut dire que là, on va faire des dingueries, là. Parce que là, les gars, si on commence déjà à faire des go-fast, c'est bien. Mais je sais pas si ça rapporte énormément, en fait, ça. Tellement loin, frère. Vas-y, bah. De toute façon, hein. Mais il est où? Attends, je sais pas où me mettre. Discret. Discret de fou. Da, t'es où? C'est toi la moto? Da, c'est moi. Ah, c'est toi là-bas? Da, je vois les gros. Tu vois les silos? Je suis là. Je vois un point noir sur les silos. Regarde, je te fais coucou. Da, super discret. Incroyable. Da. Bon, bref, vas-y, je vais y aller. Da, ça marche. Mais je te suis distance et je te dis s'il y a du monde ou pas. Da. Tu parles de quel côté? Grapside ou... Je vais partir vers l'ouest. J'ai pas le droit d'impliquer genre ma moto. On peut pas, dans ce serveur, on peut pas impliquer des véhicules emportés comme ça, surtout le ninja, frère. Je peux pas l'impliquer dans des trucs de trafic, de machin, tu vois, genre c'est trop dur. Donc en vrai, rester à distance, vas-y. Tant que j'ai aucune interpellation avec la scène, genre tranquille. Le seul truc que je peux faire à la limite, c'est m'enfuir, tu vois, c'est voilà. Il peut pas faire de course-poursuite et voilà, je reste en mode balade ou alors vas-y s'il m'arrête. Genre du bah je me balade tranquille, rien de plus. Et moi j'y vais chill, hein. Vraiment j'y vais chill. Je suis là juste pour des pannes si jamais c'est la merde. Pour l'instant ça a l'air d'aller. Putain par contre on a pas de thune, on a rien, frère. Faudrait que je me trouve un traf. Faudrait que je me trouve un traf. Y'a du monde ou pas en ville? Je sais même pas s'il y a du monde, les refs. Y'a que groupe 6. Y'a que ça d'ouvert, les refs. Est-ce que Custom il est jamais ouvert, Rockforce jamais. Oh là là là. Ouais, c'est bien. Ça va, fais attention à toi par contre, j'ai pas de masque. Ouais, t'inquiète. C'est vrai que j'ai pas de masque. Pour l'instant, il y a pas les keufs, hein. Ça a l'air d'aller. Mais par contre, il a un bête de véhicule devant. Je l'ai pas vu, mais si je vois un truc chelou, de toute façon, je le préviens direct. Je vois rien, hein. Pour l'instant, ça m'a l'air d'être ok. Pas de truc de fou. Mais j'ai l'impression que mon jeu, il est éclaté, frère. Genre. Oh non. Oh non, pas ça. Je commence à plus avoir d'essence. Il va se poser des questions, il va dire qu'est-ce qu'il branle. Vite la station. Mais faut que je me démasque et tout, frère. Sinon, ils vont se poser des questions, les gens. Ok, une soutane elle est passée, frère, mais pas. vas-y, bah, je paye, hein. Oh, mais ça vaut tellement le temps, frère, pour de l'essence, c'est horrible. Alors, j'espère qu'il s'en est sorti, hein. Attends, y'a moyen d'avoir un... Attends, sur la map, où est-ce qu'il y a un parking qui soit? C'est un garage, ça. Bah, ça m'a fait l'essence ou pas? Ah, oh, putain. Attends, je vais l'appeler, je vais lui dire que je suis pas... Je suis faire de l'essence, vite fait. Je vais juste dormir un coup et je reviens. DSF1? Bah nickel, écoute, j'ai croisé personne, j'ai roulé tranquille, je me suis pas fait repérer. Là, super. J'ai déposé voiture, tu sais, le long des quais, il y a entreprise LLM là. Ah, da, je m'en rappelle, da, d'accord. Je vais juste vite fait, da, mais je vais poser la moto et j'arrive, hein. Je fais juste un somme de 2 secondes parce que j'ai très gros mal de crâne. Non, pas de soucis, je t'envoie position. Da, super, j'arrive. Et alors? On s'est pas sauté barrière, nous. Par contre, c'est Mirror Park, à tout moment, je me fais éclater la gueule, hein. Je vais faire des dingueries, là.
Mais je suis con, moi. Je suis le putain. Je suis teubé, frère. Faut que j'aille en bas. Je suis débile. Oh, tu recherches des gars fatigués dans ta région. Bah vas-y. Putain, je suis. Eh, les gars, je sais pas ce que j'ai ce soir. Je suis éclaté, frère. Je crois que c'est le travail, ça m'a. C'est qui ça, frère? Da, t'es où? T'as la moto là? Da, c'est moi, c'est moi. J'arrive. Ok. C'est lui qui court là? Attends, je crois que c'est lui, hein. Attends. Mais il vient. Mais il vient d'où, frère? Mais attends, mais. Waouh, ok, vas-y. Allez, c'est parti. Bah ouais. Bon alors, on a quoi à faire ce soir? Vraiment pas grand chose. Ah ouais, c'est calme. Non, il y a que Alexei en fait. Ah, il y a que Alexei, d'accord. Bah, vous voulez faire quoi? Superette? Bon, superette, rendez-vous avec groupe inutile, je vois pas. On fait quoi? On va direction Villa? Bah, je pense qu'on peut aller Villa. Par contre, ça rapporte pas gros, go fast. Ah ouais, c'est combien? Tu fais 660$. C'est tout? Alors que j'ai roulé tranquillement jusqu'à ce que, au cas où les Speedy décident à se bouger. Personne n'est venu. Tout était nickel, la voiture pas abîmée, rien du tout. 660. Je comprends plus rien. Deux. Bah, Pliviette, je viens de finir petit rendez-vous. J'arrive. Des décolles. On va avoir petit rendez-vous avec les DB là. Ok, ok, ça marche. On t'attend avec Piotr. Là, je pense qu'on va faire un rendez-vous. Enfin, moi, pas le seul, après, je m'en vais. Que, soit, ah bon? Bah, y a pas grand chose à faire, hein, on va pas se mentir. Bah, si, si, y a plein de choses à faire. Faut faire des ATM, faut faire des supérettes. Y a énormément de choses à faire. Dame, faut de l'argent là. Ça. Dame, mais si on fait pas ça, on rentre pas d'argent, Sergei. Tu sais faire? Tu sais faire ça, toi? ATM et supérettes? Non, ATM, tu sais faire? ATM, y'a, c'est supérettes, Dame. Ok, ok. Bah, on va se séparer. Tu vas avec Piotr déjà. Bah, ça s'est bien passé. Bah, pas eu de soucis. Bah, en fait, les flics. Parce que là, je viens de croiser les flics là. Okay. Bah, enfin, nous, on les a pas croisés de A à Z donc. Tu as vu, Sergei, dans les news là, peut-être pas le LS Custom, mais cherche un patron. Da, c'est intéressant, mais le truc. Le c'est LS que, Custom, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Da, c'est sûr. Ça, je suis bien d'accord. Mais bon, après, je sais pas. Faudrait peut-être en parler, hein. Ben, en vrai, ça peut être intéressant. Après, moi, j'aime bien voir le truc des taxis aussi, tu vois. Ça peut être sympa aussi. Ah, le taxi. Non, après, LS Custom, c'est vraiment le truc. Tu as le monopole sur toute la ville. Après, y a. Là, je suis là. Vas-y, monte. Là, il y a Piotr. Là, je sais, t'inquiète. Vas-y, change-toi, Piotr. Ok, j'ai eu les fantômes, là, les Greg B.I. De. J'ai vu les. Attends, je vais attendre Piotr. Attends, juste chercher à manger après parce que là j'ai la dalle. Ou t'as un truc à manger toi ou pas? Le burger shop est ouvert ou pas? Niet. Portel, je vais faire aussi. C'est pas grave, on va demander au débile ce pire. Ou alors je te. Vas-y, on va aller à la supérette au pire. De. Donc je disais, je parlais avec les YBI. Donc, vous savez, les fantômes qui apparemment on nous cherche partout, mais le truc c'est que nous on les cherche partout. Du coup, qui ment pas? Sachant que nous, on ne ment pas. Parce que il m'a donné un dark chat là, j'ai mis un message, il vient de me répondre. Je vais peut-être répondre plus tard, on verra bien. Ça pourrait être bien de les rencontrer. Vu comme vous savez, on va être sur le même business qu'eux. Okay. Ça peut être intéressant. On va voir les refs, c'est cool, mais bon, je sais pas. Écoute, déjà on a rendez-vous avec eux là du coup. Parce que j'ai pas compris apparemment les mecs. N'oublie jamais qu'il y a toujours des choses à faire, Sergei. Hein. Da, mais tu sais, cette ville elle me saoule un peu, c'est ça que je veux déjà, dire. Déjà hier on a pas fait d'argent. Et là on est... C'est un peu dur de faire de l'argent. Bah si personne ne vient en ville, c'est sûr on fera jamais d'argent. Mais là on a quand même de quoi faire. Hein. Da, c'est combien déjà? C'est 6 ATM et 2 supérettes. 6 ATM par jour, 2. Mais il se fout de ma gueule lui ou? Bah mais il est qu'un fou ou c'est quoi? Grand malade. 6 ATM, 2 supérettes, 5 GoFast, je crois. Donc c'est quand même de l'argent. Da, je crois que c'est 5, 2, je sais plus. Mais je crois que c'est 5. Donc c'est quand même de l'argent. C'est énorme. Donc, Da. Donc c'est de l'argent qu'on n'a pas fait hier. Là, on est très proche. Je vous le dis, hein, les Gagbia, apparemment, ils proposent des armes. Après, le truc, c'est qu'ils proposent des armes, mais apparemment, personne n'a vu le bout de ces armes. Peut-être qu'ils disent de la merde. Ouais, tu crois qu'ils bluffent? C'est possible qu'ils bluffent. Après, moi, j'ai des échos comme quoi c'est des gens qui dorment pas et qui font de l'argent. Du coup là ils en font un peu moins vu qu'il y a eu la nouvelle loi en ville qui empêche de faire autant qu'avant. Ça empêche pas que du coup ils ont bien profité avant. Et nous c'est nos rivaux principaux. Ah, c'est notre rival d'ailleurs, pour l'instant on en a qu'un. Là je suis allé voir les Green Bastards, ils m'ont donné un dark chat. Là il m'a répondu, je répondrai après le rendez-vous. Peut-être les rencontrer aujourd'hui, je sais pas. Et on verra bien. On va voir ce qu'ils proposent, on va voir. Parce que là pour l'instant je vous le dis, hein, ils sont en train de prendre tout le monde. Tous nos clients, ils nous les prennent. Après, je m'en
après, je fous, moi. Si je vends pas de kit, si je vends pas de kit, je fais que des banques. Bien les armes. Ça, je suis d'accord avec toi. Hein. Franchement, ça, si on est là-dedans et qu'on les prend toutes, c'est incroyable. Et il y a d'autres trucs qu'on pourrait choper ou pas, hormis les armes. Pas grand-chose, hein. À part les armes, il y a la coke. La kit flicka, on va pas se mentir, on sait que c'est de la merde. Des gens vont nous en prendre un tous les 35 du mois et c'est tout. Et la coke, ce serait pas mal, Niet. Le problème, c'est que la coke, tout le monde la veut. Tout le monde est dessus. Bah imagine si on la privatise. Non, mais ça, tu sais que privatiser ça, ça veut dire se battre contre je ne sais combien de personnes. Bah, c'est encore plus d'action. Moi, j'aime le sang, tu sais. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais pour l'instant, on y est. Je préfère. On en a déjà parlé, je pense qu'on préfère plutôt les. Bordel. On va d'abord les armes et ensuite on verra. Elle est galée, là. Allez, c'est parti pour le rendez-vous. Bonsoir. Privit. Bah alors, vous êtes chez nous, bordel. Bah, comme je disais à papy, j'ai mis du temps à trouver, là. Bon alors, quoi de neuf depuis la dernière fois, Alexei? Quoi de neuf? Bah écoute, on fait de l'argent, on fait de l'argent, et voilà, hein. Qu'est-ce que t'as fait de beau? De l'argent. C'est tout. T'as tapé une flicarde? J'ai tapé une flicarde. Ah, tu t'es fait combien? T'as pris combien dans les fouilles? Nous, on est sorti en faisant de bonnes négociations avec un peu plus de 30K. Mais vous avez réussi à percer les coffres? T'as été percé, Da. Waouh, putain, pas mal. Vu l'économie de cette ville, Da, 30K, c'est vraiment pas mal, hein, maintenant. Ouais, c'est pas mal, ouais. On s'en est bien sorti, les CP, se sont bien passés par la suite. Et voilà. Si les otages comptent de l'argent? Pas tous. Et j'ai entendu parler d'une putain de banque à Paleto. Je raconte même pas la sécurité. Je te raconte même pas. C'est une dinguerie, ça. Si mes informateurs et mes informaticiens sont bons, les plans que j'ai eus, c'est une dinguerie. J'y mets pas les pieds de sitôt. Mais ça va se faire un jour, sache-le. Hein. Il y aura forcément des gens qui auront des très bons hackers et qui vont y aller. Parce que bordel. C'est encore un autre niveau dans le Nord. Oh, c'est un autre niveau. C'est rien à voir. Niveau business, vous en êtes à où? Non, pour l'instant, comme je t'ai dit, on fait surtout beaucoup d'argent. Et là, je vais bientôt avoir les armes. Ah. D'ailleurs, t'as été contacté pour ça ou pas? Pour des armes? Là, pas de nouvelles. Non, personne. Personne. Personne vous a proposé de kit flicka non plus? Non plus. Kit flicka non plus. Franchement, je sais pas. Je sais pas qui... Non. Parce que nous, je sais très bien que dans cette ville, on a un concurrent, mais... Mais c'est qui? Bah justement, c'est des fantômes. Tu veux rire, Zaza? Apparemment, ils nous cherchent partout, ces gens-là. Sauf que nous, on les cherche partout. Ah, ça, donc, j'y crois pas, ça. Voilà. C'est facile à trouver, les gens, quand tu les cherches. Je peux te dire, Zaza, tu me connais, on tourne partout en ville. Je vais même dans des recoins où je ne devrais même pas être. Je vais traîner dans des quartiers, je vais à l'unicorne aux putes. Bon, ça, par contre, j'aime aller à l'unicorne. Tiens, ça, j'aime. Bref. Je vais partout, Zaza. Partout. J'envoie mes hommes dans tous les coins de la ville. Même dans le nord. Je ne les ai pas croisés une seule fois. Attends, Alexei, tu dis qu'ils ont le même business que toi. Apparemment, ils vendent des choses similaires. Tu me laisses passer un petit coup de fil, une petite seconde? J'arrive. Ah, bien sûr, vas-y. Mais non, nous, on nous a... En fait, nous, ceux qu'on a rencontrés dernièrement, ça a juste été les... c'était hier, je crois, les gars, les Lost. Papy. Ouais. Papy, si t'es sûr de l'information, par contre. Ok. Ouais. Voilà, rien à voir, papa. Mais t'as besoin de quoi? Vous auriez besoin de quoi, là? Venant de nous, par hasard, ou à l'avenir, hein? Bah pour l'instant, comme tu sais, j'ai un business en vue, c'est les armes. Quoi, c'est les armes? Je vous l'ai déjà dit, ouais. On y est presque, on y est bientôt. À un moment donné, tu risques d'avoir les Grimms en face de toi. Non, j'aurais sûrement déjà, mais comme je t'ai dit, j'ai peut-être même déjà un concurrent qui est dessus, mais... Comment tu prends ce concurrent-là? Si jamais on arrive à avoir l'info, tu serais prêt à... Non, mais j'ai déjà eu l'info, justement, d'accord. Ouais, c'est ce que tu cherches, là. Da, c'est bon, là, je suis en contact avec eux depuis pas très longtemps. Je les cherche plus. Da, je les cherche plus. Enfin, attention, je viens d'échanger une phrase avec eux. Je les ai pas vus face à face. J'ai juste eu un dark chat. C'est quoi, comment j'ai l'info, elle est sûre à 90%. Vas-y, bah dis, papy, tourne pas autour du pot. Si, non, de toute façon. Est-ce que c'est les YB? Oui, c'est ça. Vous avez déjà rencontré, alors? Non. C'est le coup de fil qui vient de passer, là, quand il s'est écarté, papy. Quand il a dit, je vais passer un coup de fil. Non, ok, je vois. Je suis fatigué de fou. Ah, j'aime bien les Devils, vraiment. On a à peu près la même mentalité, j'ai l'impression. C'est ça me plaît. Vas-y. Après, bon, ils ont voulu avoir les infos, ils les ont. Sergei, tu veux faire go fast? Bah, au pire, si tu veux, je te le fais, hein. Mais par contre, j'ai jamais fait. Je sais pas à qui il faut voir, en fait. C'est simple, tu vas monter dans voiture, tu vas avoir un point, tu fonces sur le point. Par contre, quand tu dois rendre la voiture, ne descends pas de la voiture. Ok.
putain, mais il a des. Ok. Là, les frérots, si on n'est pas prêt à niquer des mères, là, on va faire un go fast. Let's go. Ah, tu vas monter dans la voiture. Bien. À partir du moment où tu es dans la voiture, il me dit toi que t'as un tracker dans cette voiture, ok. Normalement, il dure 10 minutes, mais ça, on n'en sait rien. Là, toi, à chaque fois, nous, ou les go fast qu'on a fait, à chaque fois, on bombarde, on va directement au point. Quand tu vas monter dans la voiture, tu vas avoir un point d'une destination. Tu vas à cette destination. Directement. Attends. J'attends le pas, je fais rien. J'ai rien du tout. Tu bombardes, tu vas au point. Si t'as des flics, faut que tu les sèmes, pas le choix. Vas-y, monte. Ah ouais, c'est pas la porte à côté, son vrai. Vas-y, hein. Let's go, les gars. Ah, mais j'ai un tracker, je crois. Waouh, la folie, les refs, par contre. Incroyable. Alors, ça, je suis chaud de le faire, par contre. Hein. À chaque fois, y a pas de soucis. Let's go faire ça. Par contre, j'espère que les flics, ils sont pas là. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Mais elle bombarde rien du tout, frère! Disons qu'à tout moment, là, j'ai la police au pied, en fait. J'y vais en douceur, on sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Je roule tranquille, les frères. Normalement, ils devraient pas me cramer. Oh wesh, 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 wesh. C'était pour ma gueule, ça, frère, c'était sûr, en fait. C'était sûr de fou. Fais chier! Allez, bombarde, bombarde, mon ref, bombarde, bombarde, bombarde. Eh, vas-y, fallait que les keufs soient là, frère. Tranquille. Ah ouais. Salut. Putain, c'était sûr, les refs. Voilà la galère, frérot. On va faire une feinte, hein. Merde, ils suivent. Ils suivent au taquet, là. Kikou. Cache de fou. Wow. Ne bouge pas, ne bouge pas. Dada, je bouge pas. D'accord, tranquille. Tu bouges, tu meurs. Dada, ça marche. Je meurs. Ok. Suis-moi, dépêche-toi. Dada, je te suis. Avance. Dada, j'avance. Droit par là. Ok. Avance. Ça marche. Dépêche. Dada, je dépêche. Ils sont tes potes. Quel pote? De quel pote tu parles? T'es tout seul là, vas-y, avance. Mais Dada, je suis tout seul. Continue, avance. Tu veux que j'aille où? Dis-moi. À gauche. Dada. Le manque de chance pour toi. Dada, j'avance. Toi, t'es qui? Parce que là, vraiment, je comprends rien. Avance. Dada, ça marche. À gauche. Attends, je vais à gauche. Et y'a des gens qui savent que t'es là? Bah, je t'avoue que je me suis fait pour le suivre par les flics, donc j'ai réussi à les esquiver, mais tranquille. Oh là là, c'est une singerie, mets-toi contre le mur. Attends, grosse singerie là. Regarde bien le mur. Attends, ça marche. Ne bouge pas, hein. Attends, je bouge pas. Je peux au moins avoir un prénom derrière cette cagoule ou niette? Non, pas encore. Pas encore, d'accord. Tu fais quoi ici? Vu ma tenue, et je pense que t'as capté. Non, mais je me doute que t'es pas là pour une petite promenade, hein. Da, je fais des go-fast. Ouais, tu les fais pour qui? Da, pour mon groupe. Ton groupe qui est? Da, organisation Bratva, Russie. Bratva, hein? Da. Toi, t'as vraiment pas de chance, toi. À ce moment-là? Ouais, pour le coup, t'es vraiment mal tombé, là. Bah, vraiment, faudrait que tu m'expliques, parce que je comprends rien. Tu vas comprendre, t'inquiète. Ouais, ça dis-moi juste si je meule ce soir ou pas. Ça va dépendre de vous, ça. Comment ça, de nous? Toi et tes amis, les Bratva. Da. On devait se voir ce soir. On devait se voir. Mais finalement, vous avez dit non demain. Attends, tu fais pas partie de ceux qui nous cherchent et qui ne trouvent jamais ou je sais pas quoi là? Qui vous cherche? Bah, il y a des gens qui nous cherchent, qu'on cherche aussi. C'est vous? Bon, on m'a dit que vous me cherchez. Nous, on nous a dit qu'on nous cherchait. On voulait savoir qui c'était. Ah bon? Et c'est quoi toi? Les YBI. Mais attends, on nous a dit que c'était vous qui nous cherchiez. On cherche pas nous. On va mettre tout ça au clair. Je pense que. Je suis d'accord. On va aller à une autre endroit parce que du coup, s'il y a une autre voiture qui vient déposer là. C'est quoi ton nom? Sergei. Ah, c'est fou le monde de quoi il est fait, sérieux.
C'est clair, allez. Grave petit. Je t'ai pris pour quelqu'un d'autre, mais au final, t'es pas quelqu'un d'autre. Bouge pas. Oui, il bouge déjà pas, en fait. J'ai immobile, pas de soucis. Ramenez la caisse jusqu'ici, là. Oui, t'es un YB, c'est ça? C'est Luther. Luther, d'accord. T'es une grande tête ou pas? Disons qu'on est tous des grosses têtes. Tu devrais le faire alors, on va passer au tour. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce voilà. T'attendais quelqu'un d'autre, mais on va dire que tu tombes mieux. Tu préfères toi que lui. T'attendais quelqu'un en particulier? Ouais. Admiga? Non. Vas-y, monte à l'arrière. Et mets ton téléphone dans la boîte à gants une fois que t'es à la table. Je croyais les autres sont à gauche. Ouais. Appelle les Hatch. Je fais. Je sois Le 77, il est ouvert ou pas? Non, ouais, actuellement, je crois. Non. Vas-y, appelle Dishon, j'ai vu de couper les caméras. Putain, les flics, ils veulent ça, frère, c'est coupe cool. Coupe les caméras de surveillance du club, s'il te plaît. Quoi? Rentre par l'entrée de derrière. Mais c'est qui ces gens, frère? Bah, vérifier. Attends. Allez. T'as une radio sur toi, une oreillette, un truc? Niet. Ça marche. Attends, mais ils ont pris le club en otage ou quoi? Frère, c'est quoi le délire? Allez, garder l'entrée, Liam, et tout le reste. C'était un bel endroit. Ouais, c'est joli. C'est joli, au moins les flics ils passeront pas ici. Alors, il faudra discuter calmement. Alors, nous, on nous a dit que c'est vous qui nous cherchiez pour le coup. Et du coup, bien évidemment, quand des gens nous cherchent, on se renseigne, tu vois. Tu vas me répondre par un simple oui ou par un simple non, d'accord? Comptez-vous vous positionner sur la vente d'armes? On va avoir un problème sérieux. Dis-moi. Nous, on est déjà positionnés sur la bande d'armes. C'est vous le groupe qui est dessus? Bien évidemment, ça. D'accord. Tu sais, on a parlé avec beaucoup de gens. Je crois que t'as pas trop dû entendre parler de nous, parce qu'on est très clair quand on rencontre des gens. Hein. On ne parle pas de nous, on n'existe pas, des tombes, tu vois. À mon avis, t'en as quand même qui ont dû te parler, étant donné que tu proposes quand même quelques services, hein. Par exemple, les kits flicas. Donc, à mon avis, peut-être que certaines langues se sont déliées et que quelques personnes ont parlé de nous. Peut-être. J'ai cru comprendre que vous avez voulu nous rencontrer du moment où on a vendu un kit flicas auprès des... Comment ils s'appellent, les Golemons, là? GCS, là. Ouais, GCS. C'est à partir de là que vous avez compris qu'on était là, non? On avait entendu parler de ça, mais après, je t'avoue que moi, je suis pas celui qui est le plus en ville, on va dire. Donc ça... J'étais pas trop au courant, j'en avais entendu parler, c'est vrai. Le truc, c'est qu'on nous a dit que c'était vous qui nous cherchiez. Ouais, mais en fait, je crois qu'on s'est joué de nous un petit peu sur ça. Écoute, comme je t'ai dit, on va avoir un petit problème sur le positionnement. Mais j'avais prévu le coup, j'ai une proposition, je la ferai transmettre à tes chefs. Et demain, du coup, on se fera un rendez-vous dans de meilleures conditions. Moi, j'ai une proposition qui peut être intéressante pour votre groupe et qui pourrait éviter une guerre d'organisation, alors que je pense que vous, comme nous, c'est le début. Hein, c'est le début des affaires. Ouais, tout à fait. Et les pipelines s'installent. Je pense que faire couler le sang directement, c'est peut-être pas la bonne solution. Et je vais pas te cacher que, très honnêtement, on a pris un peu d'avance. Voilà. C'est pas pour jouer les grandes couilles ou jouer les top modèles de la ville, mais je pense qu'on a un petit peu d'avance, puisque bah, on a déjà le business, donc on a déjà plus d'armement, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est sûr. Après, au moins, t'es transparent avec moi, j'aime ça. Voilà. Moi, je suis un mec, j'ai du franc-parler, je suis honnête, je dis les choses comme je le pense. Je préfère ça plutôt qu'un couteau dans le dos, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, d'accord. Donc, on est sur la vente d'armes, là, je vais pas te le cacher, ça fait au moins 4 jours, peut-être même 5. On ne vend plus de kit flicka, nous, à notre nom. On n'en vendra plus. On a commencé à les vendre à 3005. On avait eu l'information que vous les vendiez entre 5 et 6000. Donc, on a undercut le prix à 3005, justement, pour essayer de rencontrer éventuellement d'autres concurrents. J'ai cru comprendre qu'actuellement, à part vous, il n'y avait pas d'autres concurrents. Pour l'instant, actuellement, actuellement, il n'y en a pas. Donc, moi, je vous propose, les kits flicka, il n'y aura que vous. Nous, on arrête, on n'en vend plus. On dira, aïe, 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 rupture des stocks, trop relou. Il y en a plus. Okay. Ce qui fait que bah, le prix de du kit flicka, c'est vous qui allez le mettre. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a un autre business qui est assez intéressant actuellement et que personne n'a de main dessus. On a l'information, absolument personne n'est dessus. C'est la cocaïne. Ouais, j'étais sûr que t'allais me dire ça. Tout le monde en parle de ça, mais personne ne l'a, je sais. Tout le monde en parle, mais personne n'a de couilles, personne n'est là. Il y en a peut-être un ou deux qui sont là, qui ont les couilles de dire oui, je vais aller dessus, oui, je vais faire ci, je vais faire ça. Ouais, on va dire que pendant un temps, on voulait le faire. Mais après, quand on voit le positionnement de toutes les personnes qui y a dessus, c'est juste un bain de sang à l'arrivée et c'est complètement inutile. Ouais, mais le bain de sang, en fait, il peut être gagné d'avance, en fait. C'est-à-dire? Pour être encore une fois totalement transparent, on approche de la somme de qu'il faut pour récupérer la position. D'accord. On y approche doucement et tranquillement. Ok. Moi, la cocaïne, c'est pas un truc qui m'intéresse. Je...
Je suis pas dans la drogue, je fais pas là-dedans. Nous, on vous aide à vous positionner sur la cocaïne. On vous aide, c'est un grand mot, hein, c'est commercial, bien évidemment. On vous aide à vous positionner dessus. On vous paye, même s'il faut une partie, donc en pourcentage, de la somme totale qu'il faut pour accéder au point. On vous aide auprès des groupes. Donc, si jamais on nous demande, oui, vous avez pas de la cocaïne, oui, vous savez pas qui vend de la cocaïne, on dira que c'est vous et personne d'autre. Hein. On dira pas, oui, je vous donne un exemple, c'est les Lost, blablabla. Je sais qu'il y en a d'autres qui veulent s'y mettre. Hein. Et si quelqu'un a réussi à récupérer ce point un jour, on parlera jamais de lui des tombes. Il existe. N'existe pas, il n'y a que la bras de vin. Et si jamais vous avez vraiment besoin d'aide sur un truc, on vous aidera. Mais ça, c'est seulement en échange du fait que vous ne vous approchez pas de la vente d'armes. Si je résume bien le fait, tu veux nous aider à être dans la blanche, en échange qu'on te laisse tout ce qu'il y a. À vous imposer dans la blanche, ouais. Et en plus, vous avez du coup les kits flicas. C'est la proposition. Sinon, Mais bah, tu l'as déjà vu le laboratoire ou n'y est-ce ? De cocaïne ? Ouais. Du tout. On y est prêt. On n'y est pas encore, certes, mais on y est presque. Écoute, ta proposition est alléchante, mais tu comprendais bien que, bon, je suis pas le seul à devoir décider de ça. Ouais, comme je t'ai dit, là, tu vas repartir, de toute façon, y a pas de galère, hein. Ou même, on va te redéposer s'il faut. Et t'en parles avec tes chefs. De toute façon, d'après ce que j'ai compris, l'homme de chez toi qui s'appelle Alexei voulait mettre le rendez-vous de demain. Donc, je vais répondre au dark chat, je vais lui dire oui. C'est un peu très bien pour le rendez-vous. Porte-parole, si tu préfères, Alexei. Pas de problème. Et puis, vous voyez. Ça marche. Blake, tu peux le raccompagner, du coup. Ouais. Passe une bonne soirée. Ouais, des vidéniens, bonne soirée, vous. Bonne soirée. Ça va. Allô ? Ouais, j'ai message pour toi. Faut que tu viennes de suite, place des cubes. Je me suis fait choper par un groupe et ça va être très intéressant. Place des cubes, vas-y, j'arrive. J'ai pris une voix super grave. Alors qu'en vrai, non, c'est juste comme ça, tranquille. C'est dès que j'ai vu l'arme, j'ai pris la voix. J'ai paniqué de fou, les refs. C'est le bordel. Attends. On va aller villa, on l'a pas allé, je crois. T'as pas dit qui tu étais, on est d'accord. Hein ? Tu leur as pas dit qui tu étais. Je suis braqué, c'était soit ça, soit je mourais. Donc en soi, j'étais obligé de dire mon nom. Non, mais tu as pas dit que tu étais de la Bradva. Ah ben, tu vas comprendre très vite, hein. Je vais tout expliquer. Comment tu t'es fait braquer? Je comprends pas. Ben, disons que j'ai rien compris non plus. Mais en fait, c'est parti par une course-poursuite de LSPD. Bon, en gros, j'étais en train de faire le go-fast. Je suis passé par le grand périph' sur le gauche, tu sais, pour entrer vers le centre-ville. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à voir la voiture de police derrière moi. Donc j'ai dû aller du côté du pôle. Au sud de la ville. Je continuais toujours tout droit, etc. À un moment, j'ai réussi à les semer. Je suis allé au point d'extraction du véhicule. Je vais sur le point, je solde du véhicule. Je fais 2-3 mètres pour me cacher de police parce que je me dis ils sont encore dans les parages. Et là, je vois pas sortir un mec avec une arme qui est en train de me braquer. Il était massé, etc. Je suis mais attends, je comprends rien, tu vois. Je lève les bras, je suis là, t'es qui etc, etc. Le mec me fait, Da, toi tu bouges pas, sinon je te jure, je te bute. Le mec me pose 2-3 questions, il me dit, Da, tu viens d'où comme ça? Je suis, bah Da, mon costume, je vais pas te mentir, je faisais pas des courses. Et donc du coup, le gars me voit arriver, il me fait, mais Da, mais toi, du coup, t'es quoi, t'es qui, tu viens d'où, etc. Je dis, Da, je suis russe, un russe parmi tant de russes. Il fait, ah Da, t'es russe, d'accord. Parce qu'on nous a dit que vous nous cherchez, je dis, pardon? Niet. Mais Da, mais t'es qui toi d'abord? Il dit, bah Da, ça va t'intéresser. Et apparemment, c'est le YB. YB? Ouais. Le clan de Talal là, que Zaza nous a dit, c'était quoi déjà? YMCA, je crois. Da, YMCA, da. Et ben, je suis allé chez eux. Et en gros, bon, ça c'est la suite qui va pas vous plaire, mais ils nous veulent pas sur le truc d'armes, en fait. Mais en fait, ils veulent faire ami-ami avec nous. Super. Alors, en gros... Mais attends. Mais laisse-moi terminer. Les armes, on ira dessus. Da, on va dessus si tu veux. Le seul truc, c'est qu'en fait, il a proposé quelque chose en échange. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que lui aussi vend des kits flicas. Niet ? Non, mais je n'en ai rien à foutre. Si son échange, c'est on vous laisse les kits flicas, il faut les... Attends ! T'es nerveux pas, Alexei ? Ben, je suis long, en même temps, t'es marrant, toi. Je suis nerveux, Sergei, vas-y, dis-moi. Allez, raconte. Da, viens, on va s'asseoir, là. Rapidement. Allez. Bon, ben, da, va, Yoko, là, allez. Faut qu'on s'assoie, on va s'asseoir, frère, c'est bon. Da, écoutez-moi. Da, bon, lol. En gros, ce qui s'est passé par la suite, c'est que du coup, ce mec-là me dit, Da, bon, en gros, on vous rend les kits flicas. Vous touchez pas à nos armes, et en échange, on vous aide à grimper jusqu'au sommet de la coque. Et évidemment, tous ceux qui se mettent contre vous, on vous aide à les punir. Donc en gros, le gars est à deux doigts de... Alors en fait, en plus, il est à deux doigts d'arriver au laboratoire de cocaïne. Donc il serait capable, en gros... Mais lui, en fait, il a des infos supplémentaires, dans le sens où apparemment, il sait où c'est, tout ça. Enfin bon, il a plein de trucs comme ça, quoi. Où le gars, vraiment, enfin en gros, il peut nous aider à... C'est des mecs qui dorment pas, en fait, c'est ça le problème. Mais alors, attends, il y a ça, mais le truc, c'est qu'en fait... Il y a aussi évidemment autre chose, c'est que, bon, si on refuse,
Alors, voilà, hein, c'est comme ça, c'est business. Hein. Mais si on refuse et qu'on veut se positionner quand même sur les armes, bah, disons qu'ils sont déjà prêts à nous recevoir, avec du bon gros calibre. Quoi. Mais nous, nos calibres, on a 3 pétoiles. Ah non, donc ça veut dire qu'ils ont déjà, les armes. Donc c'est sûr, mais ils ont les armes. Ils ont les armes, c'est ce qu'il m'a dit. Je vous l'ai dit, ils ont déjà. Mais il m'a dit, ils ont les armes. Enfin, ils sont déjà dessus, quoi. Ils sont déjà implantés dans le truc. Et bien sûr, ils nous aident pour faire Miami et du coup être sur la blanche. Moi, honnêtement, je trouve que c'est une position alléchante et une proposition sincère de sa part. Après, bon, je le connais pas. D'abord, ben, j'y vais, bonne soirée à toi. Vas-y, à demain. Bah, peut-être à demain, du coup. Ça marche. Des vidéos. Vas-y, Daniel.